Nous apprenons par la presse européenne qu'un ancien conseiller du Kremlin a démissionné de ses fonctions pour protester contre l'intervention militaire russe en Ukraine. L'information a été aussitôt relayée par les médias occidentaux, une technique de manipulation de l'information déjà expérimentée dans plusieurs zones de conflit, notamment en Libye et en Syrie. Anatoly Tchoubet était un représentant spécial du Kremlin auprès des organisations internationales, juste avant que le président Vladimir Poutine ne lance l'opération militaire en territoire ukrainien. Cependant, cet ancien collaborateur du président russe était suspecté de travailler en étroite collaboration avec des pays occidentaux pour changer le régime politique en Russie. C'est une information qui ressort d'une longue enquête menée par des journalistes américains indépendants. Des pressions politiques et diplomatiques sont exercées sur un certain nombre d'hommes politiques russes pour attenter à la vie du président Vladimir Poutine. D'ailleurs, certains médias français n'ont pas hésité d'évoquer la question. Nous vous laissons deviner à quel genre de démocratie nous avons affaire. Le départ de cet ancien conseiller du Kremlin est un non-événement, mais plutôt une opportunité pour le maître du Kremlin de mieux cerner qui sont les traîtres à la nation. Bachar al-Assad avait aussi connu une telle trahison. Nous savons maintenant que l'histoire est de son côté.